Salut, nous sommes le 10 janvier et là je le sais. Pourquoi je le sais? Parce que c'est l'anniversaire d'Eric. Tout à fait. Et vous savez quelle heure il est? Je n'ose même pas vous dire, il est 4h30. D'ailleurs, il doit venir me chercher à 4h30. On va aller lui acheter un petit cadeau, enfin un beau cadeau en fait, qu'il voulait depuis un moment. On va aller voir ça. Je suis dézinguée, j'ai mal aux ovaires. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé la pilule. Et depuis que j'ai commencé la pilule, j'ai des kystes non-stop aux ovaires qui vont, qui viennent, qui explosent, qui me font mal. J'ai fait 3 échos pelviennes pour surveiller quand même, parce que c'est pas rien. Depuis 2 jours, je suis pliée en deux, mais H24, la nuit, la journée, tout le temps. Je mets des bouillottes, je mets des trucs. Se passe fond, mais à un moment donné, on va se calmer. Donc j'ai eu le médecin, je lui ai dit, écoutez docteur, moi je vais arrêter hein, la pilule, c'est bon quoi. C'est pas possible, ça fait 2 ans et demi. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, il faut juste terminer la plaquette. Je vais passer à les médicaments que je ne voulais pas prendre pour traiter la migraine, les triptans. Apparemment, ça marche très bien. Le seul truc qui me faisait un peu flipper, c'est qu'il faut contrôler ton cœur, ça ralentit en fait ton cœur, donc c'est ça qui me faisait un peu... On va tester, et vraiment ma crainte, voilà, c'est d'arrêter la pilule et que ça reparte à fond les migraines, quoi. Mais on va croiser les doigts. Comme je vous ai dit, là, on s'en va. Petit cadeau pour... le gars Eric, je lui dis, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Fais-toi plaisir, est-ce que tu veux que je te fasse quelque chose de particulier? Est-ce que tu veux qu'on aille manger quelque part? Il me fait, McDo. Oh putain. Moi ça me va, hein. J'aime ça, mais bon, aucune originalité. Et regardez ce que je viens de mettre, mon nouveau manteau. Alors il y en a une d'entre vous ou deux? Deux, trois, allez. Qui m'ont dit, Caro, tu l'as mal mis. Comment ça je l'ai mal mis? C'est comme ça, tu mets ça. Après, bon bah là j'ai pas mis des boutons parce qu'il faut pas déconner, mais c'est comme ça. Mais bien sûr, c'est comme ça, enfin. Impec ? C'est trop joli. Attention, hein, ça va envoyer du lourd, là. Merde. Ouais, bah tu vas attendre 2 minutes, hein. Je crois qu'on est en train de bloquer la route. Bon anniversaire, chérie. Merci. Bon, je te l'ai dit déjà hier, moi. À minuit pile. Enfin, à minuit 3. Minuit 11, ah, tu vois. Bah, j'espère que... qu'il va y être. Non, bah on va regarder, parce que c'est peut-être un peu... Même moi, je me fais peur. Voilà le moniteur. En fait, il est panoramique, voyez, rectangulaire, tout long. Il est beau, hein, il n'est pas super large. Mais c'est un moniteur spécial gaming ou pas du tout? Totalement. C'est vrai. Changement de programme. Attendez, je vais vous prendre de face. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas? Si, je te l'arme. Ah, on met de l'essence. Oui, changement de programme. Le moniteur là qui souhaite avoir, on a comparé. Donc là, on était à Leclerc. Et on a comparé. Je ne sais pas pourquoi je parle tout bas, genre en m'entendant. Sur Amazon, 70€ moins cher. Donc autant dire, bah, il l'a commandé directement. Il était chez Leclerc, il l'a commandé sur donc 300. Bon, bref, 70€ de moins. Et pour ce soir, je lui dis, t'es sûr, McDo quand même. Et du coup, enfin, j'aime bien parce que vous allez voir, ce sera pas McDo, mais au traiteur de Leclerc, ils font des burgers maison qui avaient l'air très bon. Et j'ai acheté des frites et on s'est pris des glaces et voilà. Comme ça, parce que flemme de ressortir. Et en plus, ça va être très bon. Attends, je vais allumer un petit peu quand même. Voilà. Bon, on est rentré. Je ne vous cache pas que là, ça fait 10 minutes. Le temps de rentrer, ça m'a repris des aiguilles. Il y a un truc de pesanteur, des décharges électriques. C'est pas normal. C'est pas normal. Je sens que je vais arrêter avant l'heure, mais c'est pas possible. Retour de course. Retour de course. Je crois pas que ce soit la saison. Mais... des endives. Des avocats. Mûr à point. Ça, c'est pour le midi, mozzarella, à toute heure, à tout âge, à toute saison. Évidemment, la base, le chavreau format voyage, j'allais dire, forcément, familial. Ça également, vous commencez à, si vous me suivez, donc blanc de dinde, blanc de poulet. Une petite sauce à la verre, sympa pour aller avec les pâtes. J'ai jamais pris celle-ci, quand tu veux. Je crois que c'est chèvre, c'est ça, aubergine, non? Courgettes grillées et chèvre. J'ai repris quoi? Bah, l'huile d'olive. J'étais à sec. Extra vierge, pugée. Elle est bonne. Très bon ça. Avec du lait écrémé. Les muesli. C'est copieux. Hein. C'est Eric qui me dit, tu peux aller chercher les petits topics pour mettre bah, sur les bananes écrasées, sur des glaces et également cela. En chocolat. Voilà. Les Barilla Piperigate. Je vous reprends comme ça, j'en ai marre de montrer ma face là, parce que j'ai vraiment mal. C'est pénible. Regardez ces petits burgers maison, Madine Leclerc. Ils m'ont dit que ça fait combien? 2 mois. Et apparemment, ils sont délicieux. Et étonnamment, ils ont dit qu'il faut les mettre au micro-ondes. Je dis, vous êtes sûr, c'est pas au four? Il dit, non, non, le chef a dit micro-ondes. Vous allez voir, ça fait tout mou comme le McDo, c'est excellent.
Eric s'est pris en plus. Il m'a dit oh, je me prendrais bien un petit hot dog. Donc il a pris ketchup, il y avait également moutarde, moi j'ai pas pris. Bonjour toi mon chéri, ça va? Des bananes, la chantilly. Évidemment, je l'ai prise légère pour me donner bonne conscience. Quoi d'autre pour le midi? Excellent, excellent, je vous en ai déjà parlé. C'est très bon. La même chose un peu, version, c'est des soja. Hein. Version steak, version saucisse de soja. Pendant ce temps-là, je ne vous explique pas, il y a Jack qui est en train de faire... qui est en train de ranger les courses aussi. Ça, c'est le même que celui-ci. Petit céréales bio pour le midi. J'ai même pas sorti les surgelés, alors c'est le premier truc à faire. Pour aller avec les burgers, j'ai pris les frites McCain au four. Elles sont bonnes, les petites et fines, pour une croustillance extra. J'espère bien. Donc il y a citron vert. Ah, il s'est pris citron vert, particulier. Ça fait très typant. J'ai pris... Ah, j'avais pas vu. Vanille, fruits rouges. Ah bah tu vois, j'ai cru que c'était que fruits rouges. Avec morceaux de meringue. Ah bah ça, j'avais pas vu non plus. D'accord, lait écrémé et crème origine. Bon, ça a l'air quand même très bon. Et c'est tout. Ah non, un autre comme ça. Du Coca Light. Ça, Eric s'est pris ça, j'avais même pas vu. Ça doit être pour le midi, pour dépanner. Et je range tout. Je vais prendre surtout un space-fond. Je suis en angoisse, je ne trouve plus ma tablette de space-fond. J'ai pris ça aussi il y a très longtemps. J'avais fait une fois, je trouve ça trop bon. Tu l'ai fait chauffer, après je l'ai fait revenir à la poêle avec de l'huile d'olive. Ça faisait super longtemps, je dis allez. Ça peut être sympa pour un soir aussi. Ça a l'air trop bon même ceux-là, les petits topiques. Hein. C'est goût 3 chocolats. Mmh. Ah, c'est celui-là, je sais pas si je vous l'avais bien montré, c'est des petits vermicelles. Je suis allongée. Il est quelle heure? Il doit être 19h30. J'ai une bouillotte très chaude sur mon ventre. Et j'ai pris deux cachets. Et on a bébé. Il est là. Il est avec sa mère. Je craque. Il est trop mignon. T'es mignon? Il a sa baboule derrière parce qu'on a joué avec Eric et il s'est endormi comme un bébé avec sa baboule. C'est quoi la papate au fond là? Mais t'es trop mignon toi. Je filme avec le téléphone. Viens la petite, coucou. Alors, nous sommes le lendemain. Ça va mieux au niveau du bidou. Tant mieux, je pense que c'est la bouillotte. Ou les deux spasmes peut-être, ou c'est des cycles comme ça. Enfin bon, ça picote encore mais c'est tellement supportable par rapport au jour précédent. Aujourd'hui, j'ai une journée très 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 chargée. Là, il doit être 9h30. J'attends une livraison qui est prévue entre midi et 13h. Mais, n'en commence pas, Jack. Dans le doute, je reste là parce que s'ils arrivent plus tôt. J'ai également coup de fil pour box de Saint-Valentin de février, top. Donc, il y a plein de choses. Voilà, grosse journée. Je viens de laver mes cheveux et je me suis dit, non, il faut vraiment que tu prennes rendez-vous. Donc, j'ai pris rendez-vous pour faire, pas mes racines finalement, juste tirer des petites mèches pour casser cette racine assez présente. Ça, il faut que je regarde. Il faut que je regarde si c'est possible. Parce que là, ça va être magnifique hein, pour la Saint-Valentin avec tout le reste. C'est trop beau. Bon, entre-temps, il s'en est passé des choses. Ce que vous avez vu, là, c'était un call avec une des créatrices qui sera dans la box de la Saint-Valentin. Donc, laisse tomber le bijou. On va faire un truc sur mesure, mais tellement beau. Oh, je suis contente. Et en plus, donc, j'étais en call. Et en même temps, j'ai eu la livraison qui est arrivée. Et en plus, c'est une grosse livraison. Il fallait que je check, voir s'il y avait tout, le nombre. Si c'était pas cassé. Il y avait le camion qui attendait ma validation. Il y avait la personne en call qui attendait. Bon, bref, je l'ai rappelé. Eric, qui vient de rentrer d'ailleurs du lycée. Il doit être midi 20. Oh, mais alors, cette box de Saint-Valentin, oui, d'ailleurs, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, mais ça y est, depuis le 11 janvier, vous pouvez commander. Donc ça y est, si vous commandez là, c'est la box de la Saint-Valentin que vous allez avoir. La pépitas. Ah, oh, je suis trop contente. Attends, je descends voir Eric. Google, peux-tu me rappeler ma liste de courses? Ok, je vous le rappellerai dans 2 heures. Il veut pas te rappeler, Google, la liste de courses? Ok, Google, quelle est ma liste de courses? Vous avez 3 éléments sur cette liste, ah, la cuisine est chère, liquide vaisselle et du bain de bouche. C'est bien ça! C'est moderne, c'est moderne. Il est en train de se faire chauffer sa saucisse au soja. On est au 21e siècle aussi. Les hommes sont au fourneau. T'es très 21e siècle, bébé, c'est cool. C'est son. D'ailleurs, hier, le burger qu'on a mangé, que je vous ai montré, Eric, lui, il a adoré. T'as adoré, hein? Et moi, le fait peut-être de la remuer au micro-ondes, je sais pas, ça m'a écœuré. C'est la sauce qui est dedans, j'ai mangé la moitié, j'en pouvais plus.
Non, ça m'a écœuré, les frites canon et tout. Non. Non, 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 non. Bon, bah, tu vois, comme quoi les goûts, hein. Tu as des choses à rajouter ce matin? Tu es mignon? Oui, c'est papa, il fait la saucisse. Tu le sens. Oui, c'est bon. Il est bon celui-là, je trouve. Avec les... Le mélange est vraiment sympa. Fais-moi une danse des fesses, s'il te plaît. C'est bien, c'est bien. Tu reprends à 13h. Non, bah, tu te calmes. Oh, merde! Oh non! C'est de ma faute, je t'ai fait danser par contre. Vous auriez vu sa tête? On aurait dit un gamin. Mais là, il est tout excité parce que demain, il reçoit son moniteur, son cadeau. Donc, il pense qu'à ça, quoi. C'était très sympa cette pause repas. Ah, bah, j'ai toujours pas enlevé la guirlande. Quoi que je me tâte, est-ce que je la garderai pas? Bon, bref. Je vais faire mes cartons. C'est donc le 11. Et janvier, voilà. J'ai avancé un petit peu. J'en ai déjà 50. Je continuerai en fin de journée, je pense, demain matin. Tout ça, ça va être rempli en bas. Mais bon, c'est une pièce qui me permet quand même de stocker sans que ça nous embête parce que bah, déjà, j'y dors pas. C'est vrai que des fois, je fais des tournages, mais j'arrive à m'arranger. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Tu fais un câlin à la robe de chambre, toi? Cette veste que je vous ai montrée que j'ai eue chez Kiabi, en fait, je l'avais prise en 38 et je trouve qu'elle est un peu trop large quand même. Faudrait que je regarde s'ils l'ont pas en 36. Mais je sais pas si tu peux échanger dans un autre Kiabi, c'est pas là où tu l'as acheté. Dites-moi si vous savez. D'ailleurs, est-ce que ça existe en 36? Oui, ça existe, mais c'est pas sûr qu'il l'ait. Et ça, comme j'avais dit, ça va partir au lavage pour éviter les bouloches et puis même pas pour éviter les bouloches. Hein, je lave toujours avant de mettre pour la première fois. Est-ce que vous en pensez? Voilà. C'est quand même pratique hein, les audios, je bosse que comme ça maintenant. Vous l'aurez peut-être compris, je vais être obligée de vous laisser maintenant. J'ai le montage du vlog, j'ai deux rendez-vous en ville et en rentrant j'ai un petit rendez-vous téléphonique. Donc sinon j'aurai pas le temps du tout de tout faire. J'espère qu'il vous a plu ce petit vlog, en tout cas moi j'étais contente. J'aime bien faire les vlogs, j'adore ça, le format vlog. C'est d'ailleurs ce que je préfère regarder aussi chez les collègues. Voilà, bah écoutez, on se dit demain, j'en sais rien, après-demain, j'essaye de vloguer au moins un jour sur deux. J'essaye, mais là, je vous cache pas que les jours qui arrivent, comme je vais être dans la création de la box de janvier, les envois, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vais faire de mon mieux. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite. Bisous, ciao. Tu dis au revoir, Jackie. Salut.